Je m'appelle Guillaume Carner. J'ai été champion de France pendant 5 années consécutives, 2 fois champion d'Europe et j'ai été sacré champion du monde à Bangkok le jour de l'anniversaire du roi en 1995. Je pratiquais les arts martiaux parce que j'avais été séduit par le phénomène Bruce Lee. À l'époque, j'étais jeune, chétif et un petit peu en manque de repères. Grâce à la boxe thaï, j'ai trouvé une voie qui m'a permis de m'accomplir et de me construire en tant qu'individu à travers une discipline virile. Le rap, pour moi, dégage une énergie percutante comme la boxe. Il faut pas se tromper, c'est dur, ça fait mal. C'est pas le show business, on n'y arrive pas en se faisant la bise. Et quand on est sur le ring, c'est le moment de vérité. Et il n'y a qu'en ayant travaillé dur qu'on y arrive. Je vous raconte, à l'époque, moi je boxais dans la fédération de Pachi et lui il était dans la fédération de Meret. Mais dans une catégorie un petit peu plus grande. Et on avait une rivalité. C'était un putain de boxeur. Tous les mecs, ils mettaient KO, high kick. Je suis resté actif dans le Muay Thai au travers de l'enseignement. J'ai recruté un jeune qui s'appelle Munir Bouti il y a 5 ans, qui représente mon école, Carner Team, graine de champion. Et il me donne le meilleur de lui-même et je lui donne le meilleur de moi-même. Tous les jours, on travaille dans l'objectif de gagner les titres les plus importants de la discipline. Lorsque l'on aura atteint ces objectifs, pour moi, j'aurai fait mes preuves en tant que professeur et la boucle sera bouclée.